Du jus en continu, que puis-je faire pour vous? Jean, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Jean, je le sens, je le sais, je le vois, le courant ne marche pas. Madame, avec moi, ça passe crème. Dès midi, je passe chez vous, j'examine toutes les gaines, je débarque en 4L. Paniquez pas, je vous jure, votre élec est pur. Votre élec, j'allume, ouais. Votre élec assure, je me trompe pas, j'en suis sûr. Non, mais tu sais pas, toi. Ça fait 2 heures que je sens une odeur. Plus rien ne marche, même pas l'ordinateur. J'ai checké, c'est pas le disjoncteur. Viens me sauver du noir, s'il te plaît, ouais. Ok, j'arrive. Vous venez toujours aussi vite? Pour une panne de jus, bien sûr. Même pour une urgence, je prends pas cher. Vous pourriez. Je n'ai rien contre quelques extras. Tout dépend de la nature de votre petit problème. Qu'est-ce qui vous arrive? On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petite, faut pas péter les plombs. Ma fourchette est juste tombée dans la prise. J'ai eu peur que mes doigts s'électrisent. On m'avait dit, relie toujours à la terre et les caches prises pour tous les prépubères. Mon boss m'a dit, chaque client est à prendre. Et je suis venu sans chercher à comprendre. Qui met les doigts? Qui met les doigts? Qui met les doigts? Comme ça, comme un enfant qui joue gaiement avec le courant. Moi, je donne ma vie. Oui, à Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. J'aime les hommes qui ont de l'expérience. Vous savez, j'ai 10 ans de métier. J'en ai vu passer des clients. Et des clientes. Quel bel outil vous avez là. Merci. Il a l'air solide. Dur comme de l'acier. Ça fera l'affaire. Est-ce que je peux prendre votre outil? Oh ben, pourquoi pas. Je peux le prendre avec la main, comme avec autre chose. Avec la main, ça fera l'affaire. Tenez-moi ça. Je parlais de votre autre outil. Mon marteau? Ben, je m'en sers. Oh, plus fort, Jean. Ah ben, je vais tout casser. Oh, casse-moi tout là-dedans, oui. Oui. Oh. Bah, t'es quand même pas venu là pour prendre le thé, si?
Je t'avoue que je suis un peu gênée, là. Bah, j'avais pas trop compris la situation, mais... Bah, c'était peut-être pas ma meilleure idée, non plus. C'est une idée originale. Certes. Et puis, je voulais pas mettre de pression. Non, mais... On se met tous un peu la pression tout le temps là-dessus. Toujours être parfait, toujours être... Sexy, provocateur, ouais. Performant. Alors que c'est pas ça qui compte. Vaut mieux faire juste ce qu'on a envie, quoi. T'as envie de quoi, toi ? Depuis que j'ai vu tes jambes et tes yeux tout émus, je me sens tout étrange, j'ai envie d'être tout nu. Depuis que tu m'as dragué, pendant tous mes travaux, j'arrive plus à boire mon thé, c'est comme si j'avais chaud. Depuis que tu m'as séduit, avec tes muscles saillants, j'ai de nouvelles envies, et tu me rentres dedans. Je crois que ça va pas être possible, j'ai une panne. C'est pas grave, on peut toujours faire... Bah, qu'est-ce qu'on fait ? 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 Faire l'amour, c'est comme un disjoncteur, réparé en moins d'une heure. Bébé, ton boule, c'est comme les joules, et je vais bientôt faire grimper. L'amour, c'est un condensateur, te décharger ne me fait pas peur. Toute cette tension me rend ma boule, si je te cassais avec respect.